بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Exercice sur le cours des nombres décimaux relatifs. Produit et quotient. Niveau première année collégien, Royaume du Maroc. Exercice numéro 7. Calculer moins 7 fois moins 6 fois moins 5, moins 4 fois 8 fois moins 2, moins 9 fois plus 10 fois moins 3. 16 fois moins 5 fois moins 8. Allez-y, prenez le cahier d'exercice et écrivez cet exercice. Puis, prenez le cahier de brouillon et essayez de faire tout seul ces opérations. Et on verra la solution ensemble après. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on commence la réponse. Réponse. Calculant, moins 7 fois moins 6 fois moins 5. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Oui, on peut calculer le produit de ces deux nombres premièrement. Et après, le résultat qu'on a trouvé, on va le multiplier par moins 5. Moins 7 fois moins 6, ce produit est positif ou négatif? Évidemment, il est positif. Pourquoi? Oui, parce que ces deux facteurs ont le même signe. 7 fois 6, c'est 42. Donc, on pose 42 fois moins 5. 42 fois moins 5, positif ou négatif? Évidemment, il est négatif. Pourquoi? Oui, parce que ces deux facteurs ont deux signes différents. 2 fois 5, 10. 4 fois 5, 20. Et 1, 21. Donc, le résultat, c'est moins 210. Passons maintenant à l'autre exemple. Moins 4 fois 8 fois moins 2. Ici, je vais changer un peu la méthode. Je vais calculer premièrement 8 fois moins 2. Je peux faire ce choix-là. Donc, c'est moins 4 fois. 8 fois moins 2, c'est combien? Oui, c'est moins 16. Maintenant, moins 4 fois moins 16. Ce produit est positif ou négatif? Oui, il est positif. 4 fois 6, c'est 24. 4 fois 1, 4, et 2, 6. Donc le résultat, c'est 64. Maintenant, l'autre opération, moins 9, fois plus 10, fois moins 3. Maintenant, je vais changer, dans cet exemple, la méthode. Je vais tout d'abord changer la position de ces facteurs. Donc je peux mettre ici par exemple moins 9 fois moins 3 puis fois plus 10. Moins 9 fois moins 3 c'est combien? Oui, c'est 27. Et 27 fois 10 c'est combien? Oui, c'est 270. Comme je peux encore calculer tout d'abord moins 9 fois 10, et le résultat, je vais le multiplier par moins 3. Ou bien calculer plus 10 fois moins 3, et le résultat, multiplié par moins 9. C'est la même chose. Toujours, on obtient le même résultat. Moi, j'ai préféré de changer un peu la méthode pour vous montrer qu'il y a plusieurs façons de faire le calcul. Maintenant, la dernière opération. 16 fois moins 5 fois moins 8. 16 fois moins 5 fois moins 8. Donc, c'est égal à 16 fois, et je vais calculer, moins 5 fois moins 8. C'est combien? Oui, c'est 40. 6 fois 4, 24. 1 fois 4, 4 et 2, 6.
Donc le résultat, c'est 640. Cet exercice a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourg Zeytoun, Marrakech. Au revoir.